Donc, je voudrais proposer aujourd'hui Stéphane à votre prière. Donc, c'est un garçon qu'on rencontre sous le métro aérien quand le métro s'enfonce sous terre dans le 15e. Il est là, c'est un Polonais qui est là avec plusieurs autres. Il y a Yves, Grégo, ils sont là assis en tailleur et ils rient, ils sont très présents, très riants, très amusants. Toujours que vous veniez à 9h ou à 11h du soir, ils sont toujours là en train de discuter. Un souvenir de Stéphane, c'est qu'un jour il est venu à la messe de Noël chez les sœurs Clarisse de la rue de Saxe, qui était tenue, l'ex-couvent des sœurs Clarisse, qui était tenue pendant 2 ans par des jeunes qui s'occupaient de jeunes en réinsertion. Et Stéphane est arrivé au début de la messe. C'était une messe très priante, tenue par un monseigneur, présidée par un monseigneur, monseigneur Namias, si je m'en souviens. Et Stéphane est arrivé comme un gros ours. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde priait et moi ça m'a ravi parce que je me suis dit que finalement les bergers le jour de Noël ils ont dû être réveillés par les anges pour leur dire allez à la crèche, Jésus est né, et ils ont dû bouguer, enfin ils ont dû râler comme un pou en arrivant jusqu'à la crèche en se demandant ce qui se passait dans cette nuit de Noël. Et là c'était très beau. Donc Stéphane, quand on samedi dernier on a vu que Stéphane était absent, donc on a demandé de ses nouvelles. Et Michel, un petit peu plus loin, un autre SDF, nous a dit qu'il était à l'hôpital. Il était hospitalisé. Donc je suis allé le voir samedi après-midi. Et effectivement, je l'ai vu à l'hôpital. Il était très fatigué, allongé. Il était sous perfusion. D'ailleurs, sur les instruments, il y avait un chapelet donné par un prêtre. Et quand je lui ai donné la médaille, il a souri. Il m'a dit « Ah, c'est la médaille de miraculeuse. » Et puis il l'a enfoui sous ses draps en souriant. Et il était très fatigué. Donc je voudrais vous confier Stéphane à votre prière. Je crois qu'il a vraiment besoin. Il est opéré cette semaine, m'a dit Michel. Donc voilà, confie à votre prière, Seigneur. Viens accompagner Stéphane sur son chemin de misère. Amen, Seigneur.